de personnes le savent, mais si vous vous rendez en Martinique, vous aurez l'occasion d'apercevoir des dauphins. Pas juste en face de la plage de votre hôtel, bien sûr, ni dans une petite baie, mais bien dans le nord de l'île, où ces animaux se déplacent généralement. Mais évidemment, il s'agit d'animaux sauvages et leur observation dépend de leur bon vouloir et de la nature. Plusieurs espèces nagent le long des côtes martiniquaises, citons par exemple le dauphin tacheté, le dauphin de Fraser, le grand dauphin ou encore le globicéphale. Au départ de Lansalane par exemple, à bord du Niaule, votre guide vous emmène au nord et est à l'affût du moindre signe qui attesterait de la présence des dauphins. Une phase de recherche qui peut être longue parfois, mais quand les cétacés sont en vue, la récompense en est bien méritée, un très beau spectacle s'offre à vous et vous pouvez les approcher au plus près. Une fois sur place, le bateau ne reste pas plus de 30 minutes, ceci afin de ne pas les perturber et de les laisser vivre dans leur environnement tranquillement. Les plus chanceux pourront aussi apercevoir lors de leur sortie des cachalots qui viennent de temps en temps au large des côtes martiniquaises. Sur le chemin du retour, vous pourrez également découvrir l'Anse du Four où vous pourrez admirer des tortues et vous baigner paisiblement, ou encore la grotte aux chauves-souris, aussi incroyable que vraie. Côté budget, comptez environ 50 euros par personne et en l'absence de dauphin, la sortie vous est généralement offerte. Idéal donc pour les grands, mais surtout les petits, qui pourront approcher cet animal qui les fait tant rêver. Jouez maintenant à notre jeu Découverte du Monde et tentez de remporter un chèque vacances de 1500 euros. Pour cela, répondez correctement à la question qui s'affiche à l'écran. Envoyez départ 1 ou départ 2 par SMS au 6156 pour la Belgique ou au 71004 pour la France et vous serez peut-être le gagnant des 1500 euros de vacances. A bientôt pour un nouveau numéro de Découverte du Monde.